on a un courant puissant. Et juste après ça, on a une pierre. Un gros bloc. Et derrière ce bloc, on a une zone de calme. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est on va aller déposer l'appât le long du bloc, comme si le verre était amené directement par le courant. Et on va longer le rocher. Et ensuite, on poursuit dans le courant. Là, amis pêcheurs, on a un plan qui est assez intéressant. On a la rivière centrale sur notre gauche, le lit principal, et là sur la droite on a un petit ruisseau. Faut jamais sous-estimer ces ruisseaux qu'il y a sur le côté, parce que on peut trouver de très très beaux poissons ici. Là je vais changer mon appât. Voyez ce que ça donne quand votre verre il fait un truc comme ça à la fin. Il faut changer, parce que là la présentation n'est pas bonne. Poisson. Bel fario. Là, on va essayer dans un premier temps, juste ici. Vous voyez ? Là, on a un courant, un premier courant qui arrive comme ça. Un deuxième courant qui arrive comme ça. Et au milieu, il y a une zone assez calme sur laquelle il est possible que l'on trouve de la truite. Là, mon verre, je trouve que mon verre, il remonte trop dans le courant. Il s'agite trop, donc ça veut dire qu'il y a trop d'espace, si vous voulez, qui ne sont pas plombés. Dans ce cas-là, je vais descendre un tout petit peu mon plomb de 2 cm afin que le ver pêche à l'endroit où je lui demande de pêcher. Car dans le cas contraire, comme on l'a vu précédemment, le ver, il est emporté dans le courant, il va pêcher en surface et non pas sur le fond.
poisson. Voilà. Une petite truite en direct. Voilà, exactement là où je vous ai indiqué. Jolie Fario. Elle a le ventre bien plein. Je vais vous remontrer également rapidement comment est-ce qu'on accroche le verre correctement sur l'hameçon. Donc là, vous avez votre verre ici. Là, on a un petit anneau ici. Donc on va venir piquer le bout de l'hameçon dans l'anneau du verre. Et ensuite, on va venir enfiler le verre tout du long de l'hameçon. En fait, ami pêcheur, il faut bien comprendre que si votre verre est mal installé et mal piqué sur l'hameçon, vous allez rater énormément de poissons. Et ça risque de vous rendre dingue parce que vous allez avoir des touches, ça va mordre, mais vous n'allez jamais pouvoir les ferrer. Ou très rarement. Donc là, vous voyez, j'ai bien fait coulisser le verre tout du long de l'hameçon et je vais le repiquer pour faire sortir la pointe de l'hameçon juste ici. Et ensuite, je maintiens le bout de l'hameçon comme ça et je vais tirer sur le verre doucement pour ne pas le déchirer, pour qu'il remonte le long de l'hameçon comme ça. Ce qui nous donne quelque chose comme ça. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez, le verre, il est remonté tout du long de l'hameçon. Et voilà. Et là, à mon goût, la pointe est trop visible encore. La pointe de l'hameçon est trop visible. Donc, pour la cacher un peu plus, on va simplement repiquer le verre une fois, comme ceci. Voilà. Et là, vous voyez, tout est parfaitement dissimulé. Et on peut relancer notre ligne.